Bonjour. Bienvenue dans la première vidéo de YouTube de moi. Je suis un petit peu gênée en vrai. Juste un chouïa. Alors, moi, qui suis-je? Parce que, en fait, j'ai tendance à oublier le fait que les gens ne savent pas qui je suis. Parce que, étant donné que tout le monde me connaît, je reste étonnée en fait. Venez, je sais pas si je suis capable de faire ça. Je vais le faire. Je vais faire genre dans Next. L'outil du 7 ans, elle aime ses chats, raconte sa vie pendant des heures et elle oublie toujours tout. Alors, des vidéos YouTube, j'en ai fait toute mon existence. Mais il vaut mieux pas les voir. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai eu pour projet du coup de refaire vraiment une chaîne. Parce que je fais tout le temps des vidéos, genre des vlogs ou des vlogs. Parce qu'en fait, je fais que ça. Donc, je fais des vlogs tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais en sortir avec des potes, je filme, je fais un montage, je mets sur YouTube en ongle répertorié et je l'envoie à mes potes. Donc il y a 4 vues pour un truc que j'ai pris 4 heures. Donc j'en ai marre, moi. Au bout d'un moment, il s'agirait que les gens voient ce que je fais, que les gens me disent ce qu'ils pensent de ce que je fais. Je sais plus parler, c'est fou de pas savoir parler comme ça. Je suis un petit peu enrhumée, attention, mais bref. J'ai le nez tout rouge, je suis un clown actuellement. Pourquoi je suis pas au milieu, genre je suis comme ça depuis tout à l'heure? Pourquoi il y a genre quelqu'un à côté de moi? Alors, donc, plus de bruit, s'il te plaît chaise, nous ne t'avons pas entendu. Ce soir, il est exactement... Oui, il est 21h16. Il est giga tard, déjà. J'avais pas calculé qu'il soit aussi tard. Donc il est 21h16 et je vais... continuer à ranger mes chambres parce que c'est le bordel. Voilà, me détestez pas pour les gens qui sont hyper maniaques, vous allez me haïr, c'est ça tout le temps. Incapable de garder ma chambre plus d'une semaine rangée, mais c'est pas grave, t'es pas grave. C'était un peu violent. Regardez, Théma, alors ça c'est ma télé. Elle est dégueulasse. Plein de poussière là, c'est répugnant. Tuto, comment nettoyer un truc avec de la poussière? Eh bien en fait, vous prenez une éponge, c'est faux. Normalement, faut pas faire ça, je crois. Mais est-ce qu'on n'en aurait pas rien à foutre, finalement? Eh, hey, vous avez vu, il y a une couronne. Je suis une princesse ou quoi? Déjà, il... Merde, c'est quoi? Oui, j'ai fait tomber un truc. C'est juste la pompe de masque de Max. Ah putain, je vais dire son nom en fait. C'était juste la pompe de Max qui était tombée. Bon allez, en fait il y a un truc bizarre là, je sais pas ce que c'est. Théma, pourquoi il y a le flash déjà? Qu'est-ce que... C'est horrible. Bon, Théma, il y a un truc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que cette chose? Ce genre de la cire? Pourquoi il y a de la cire? Vous avez vu comment mes ongles sont magnifiques? Greux. Bon, t'as dit, du coup, j'étais en train de nettoyer, moi. En fait, j'ai l'impression que... Ouf, je pense que les vlogs, ça va pas être genre un vlog en mode « Ouais, je vais vous montrer ma semaine et tout. » Non, ça va être « Je vais vous montrer ma soirée, ma matinée. » Tu sais, il va y avoir un vlog par truc parce que tellement je parle. Mais enlève-toi, putain. Voilà, regardez. Vous, déjà, vous voyez comment c'est... Si c'est trop satisfaisant, arrêtez, vous pouvez pas dire que c'est pas satisfaisant, genre. Faut juste que je nettoie l'écran, mais je sais pas si l'écran ça se nettoie pas avec un truc spécial, genre. Quelqu'un sait nettoyer sa télé, genre. Le vlog ça va vraiment être je nettoie ma télé avec vous. Je vais juste prendre un chiffon et je vais enlever la poussière avec le chiffon. Ah bah, ça marche super bien. Et voilà, toute propre, vous voyez dedans, vous êtes beau ou pas? Oui, je confirme, vous êtes sublime. Regardez, maintenant... On a une télé propre et maintenant nous avons un sol sale, donc il faut nettoyer le sol. Vous avez vu mes chaussettes? C'est des chaussettes avec des petits points loin, regardez. C'est des chaussettes avec des petits points loin et dessus il y a écrit Happy Winter. Voilà. On t'éba la poussière. Miam miam. Déjà, ouais, c'est beau. J'adore les paillettes. Regardez comment c'est beau. C'est beau, genre. Ça brille. Attendez, on voit rien. En fait, c'est super moche parce que. Gros truc bûcheux, c'est dégueulasse. Tu vois, ça me fait trop peine. Il y a un petit bonhomme qui s'est incrusté dans la poussière là.
Le pauvre. Miskine. Oh, vous vous souvenez de la période des Tsum Tsum? Maintenant, nous allons mettre mon ordinateur à côté de ma télé, parce qu'en fait, ma télé, elle fonctionne pas s'il n'y a pas d'ordinateur qui est branché. Et ma maman, elle me fait pas confiance, genre... En fait... Max, dégage, tu es dans le champ. Tu me fais chier. Alors, elle me dit, oui, tu vas mettre où ton ordinateur pour la télé? Tu as tout désorganisé, là. J'ai mis bien ma maman. Et je vais juste lui montrer que je suis pas débile. On pourrait croire comme ça, déjà parce que j'ai une couronne sur la tête. Donc forcément, ça porte à confusion. Mais je ne suis pas débile. Vous savez que dans ma chambre, j'ai plein de trucs, je sais pas c'est quoi. Genre Théma. Pourquoi j'ai des manettes? Genre la console de jeu n'est pas... Genre, en plus, on a que une Switch. On a la Wii aussi. C'est pas du tout... Enfin, ça ne va avec aucun des deux, genre. Ça, je l'avais quand j'étais petite, j'étais trop fan. Je me promenais tel un vrai chien. Voilà. Ça aussi, c'est rigolo. Quand j'étais petite, je jouais au jeu de l'avenir. Je vous explique. En fait, je vous montre. Le jeu de l'avenir, c'est ça. Vous avez la toupie et on la tourne. Et genre, je pose une question. Genre, est-ce que cette vidéo va s'épaire? Et si je tombe sur la vache, ça veut dire que ça va s'épaire. Et du coup, je fais vraiment. Et après, j'appuyais. Bon, là, c'est sur le cochon. Donc, ça va pas s'épaire. Mais c'était ça, le jeu de l'avenir. Et j'y jouais tout le temps. C'était trop drôle, trop rigolo. trop rigolo. Trop rigolo. En fait, je vous montre pas du tout. Vraiment, vous voyez rien. Vous êtes en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait, la ref? Mais je suis pas encore professionnelle du filmage. Donc voilà, je fais ça toute ma vie, mais je ne sais toujours pas comment en fait. Voilà. Un truc aussi que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps que vous allez passer avec moi, si vous voulez continuer à passer du temps avec moi, c'est que je change de sujet comme de chaussettes, c'est-à-dire toutes les deux minutes. Voilà. Du coup, Théma, là il y a ma télé, il y a mon ordinateur, il est là, bam! Est-ce que je serais pas trop intelligente? Ben oui. Regardez. Oh, vous avez vu ma coque ou pas? Regardez, je l'ai acheté sur Rhinoshield. Genre, c'était le Black Friday, vous voyez. Mais dans l'autre sens, Sophie. Parce que là... Oh non, merde. Oh non, il est tout emmêlé. C'était ça qui s'était passé, regardez. Ça s'est tout emmêlé, là. C'est lui qu'il faut que je sorte. Faut que je sorte ce fil-là, parce qu'en fait, c'est lui qui branche la télé. Aïe. Oh merde. Oh là là, je vais casser tout. Du coup, faut que j'arrive à démêler le nœud, là. Regardez. T'es ma cheneux. Il a décidé qu'il allait m'emmerder, mais en fait, il n'y a pas de nœud, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Faut juste que je tire. Il n'y a pas du tout de nœud, mais au secours. En fait, il y avait vraiment aucun problème, quoi. C'est... Yeah. Bon, je sais que j'étais magnifique avec cette couronne, mais je l'ai posée parce que je me dis quand même, je vais pas aller faire dodo avec une couronne, quoi. Mon bureau, c'est une calamité, comment il est en bordel. Alors, je voulais vous faire un plan stylé en mode je range mon bureau et tout, et en accéléré et tout, et c'est trop stylé. Mais je sais pas comment je pose mon téléphone. Je le pose où? Oh, peut-être que je peux mettre avec la pâte à fixe, genre. Je le mets là-haut, avec la pâte à fixe, du coup, vous voyez bien. Oh, attends, je vais essayer. Déjà, je vais prendre beaucoup de pâte à fixe. Où est-ce que j'ai de la pâte à fixe? Là. C'est tout. Bah, c'est pas beaucoup, du coup. Bon, ça fera test de Rhinoshield. Attendez, déjà, faut que j'arrive à monter pour mettre mon téléphone en haut. Vous êtes prêts ou pas? Vous allez tout faire avec moi. Attention. Genre, je me mets là et j'appuie très fort. Ouais, ça tient. Et oh lolo. Vous voyez à quel point mon bureau est pas rangé, c'est bien. Par contre, je peux pas vous parler parce que ma chaise se casse et je tombe doucement, mais je tombe. Déjà, je trouve que la boîte Rhinoshield, regarde. Elle est trop belle. Est-ce que je suis un peu fan? Oui. En même temps, j'ai payé presque 40 euros, alors il faut que je sois fan. Je sais pas comment je me mets dans cette position. Pour... À tout moment, le téléphone il tombe et je me le prends dans la gueule. Ouh. Ça va faire du sport de faire ça. Je fais plus. Ouah, tu vous attrapes. Oh, j'aime trop ce plan. Il est trop rigolo. Only love can hurt like that. C'est quoi ça? C'est une boîte vide de trucs pour le nez. C'est un dessin qu'une petite fille m'a fait. Voilà. Je suis une poubelle. Concrètement, vous voulez l'honnêteté, pour eux, je suis une poubelle. Quand ils ont marre de faire leur dessin, ils me disent tiens, c'était pour toi. Il y a écrit papa et maman dessus. Te fous pas de ma gueule. Je sais très bien que tu voulais le donner à ta maman ou à ton papa.
mais que tu l'as pas fini et que t'as la flemme de le finir, donc du coup tu me le donnes pour me faire plaisir, alors que je suis pas débile en fait. Me prends-moi pour une abrutie s'il te plaît. Des papiers pour mon travail, faut pas que je les perde. Oula, oula. Oh, 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 je suis Spider-Man ou quoi? Je sais. Bam, transition surprise. Oui, j'ai un habit différent du fait qu'en fait on est le lendemain. J'ai jamais fini cette vidéo. Voilà, ça commence. Première vidéo, j'ai oublié de finir. Enfin non, j'ai eu la flemme en fait. Je pensais que j'allais continuer en mode je continue à ranger ma chambre. Mais finalement, le reste est plus intéressant. Genre, vraiment, il n'y a plus rien d'intéressant. Enfin, de toute façon, c'était pas hyper intéressant à la base, mais là encore moins.